Ben là, on va corriger ça. OK? Souvent, on va voir ça dans les gyms. Fait que là, Julie, on va descendre tes dumbbells de chaque côté, faire des bicep curls avec une inclinaison. Premièrement, l'humérus, on va le pointer tout droit, vertical. Donc, comme si, quand le coude est plié, l'humérus pointe vers le sol. Pompe les mains vers le haut parce qu'on va faire en supination. Tu vas plier tes coudes pour monter. OK? Puis ici, ce qu'on va faire, on va garder les poignets cassés. OK? Donc là, ça va enlever le travail au niveau des avant-bras. Comme ça, fait ton mouvement. Puis on va plus isoler au niveau des biceps. OK? Contrairement à, mettons, vas-y, tire avec ton poignet. C'est ça. Ça, souvent, on va voir ça dans le haut du mouvement. OK? Donc là, on va garder le poignet cassé pour bien le faire. Le coude un petit peu plus en arrière, donc ça va étirer l'épaule, les biceps un petit peu. Mais à chaque fois qu'on descend jusqu'en bas, ce qu'on va faire, c'est une contraction du muscle opposé, donc contraction des triceps, pour bien déplier le coude, pour étirer les biceps dans le bas du mouvement, donc avoir une amplitude complète. Et bien sûr, monter jusque-là à peu près, pour ne pas monter trop haut, puis se ramasser complètement dans le vide ici, où est-ce qu'on n'a plus du tout de résistance. Donc, une belle répétition pour finir, pour montrer la bonne technique. Et descendre jusqu'en bas, contraction des triceps jusqu'en bas. Donc, c'est comme ça qu'on fait des biceps correctement.